Les maladies d'hernie, il y en a plusieurs formes d'après les professionnels de la santé. Par exemple, hernie curale, hernie ombilicale, hernie de la ligne blanche, hernie inguinale et hernie inguino-scrotale. Avec des noms liés à leur localisation, ces cinq types d'hernie sont dus aux travaux lourds. On comprend aisément l'ampleur de cette maladie endémique dans le département de Thiébissou, région à grande population agricole, dont la principale nourriture de base est l'igname. Ça me fait très mal souvent. Une fois, c'est sorti à 3h du matin et ça m'a laissé à 15h. Je sens la douleur en tout cas au niveau de mon bas-ventre. Elle était enflée. Pour mettre fin à la souffrance des porteurs de ces maladies, un groupe de cadres de la région, avec l'appui de bonne volonté, vient d'initier une caravane de lutte contre les hernies. Nous avons des cas très complexes. Il y a des malades qui viennent soit peut-être pour une hernie, mais nous découvrons en même temps une hernie, une hydrocèle vaginale et en même temps une appendicite. Et ces cas sont légion. Et ce sont des grosses hernies, des hernies qui ont perdu le droit de citer. Des hernies que les personnes traînent depuis plus de 30 ans. Et ce n'est pas facile à opérer. Et ce qui rend la complexité du problème. Plus de 50 personnes, dont les femmes et les bébés, ont bénéficié des opérations chirurgicales. Pour moi, ça m'a accouché là. Ça, lui, il est venu à ça. Moi, ça m'a trop découragé. Maman, il ne savait pas qu'un enfant peut avoir quelque chose comme ça. Dans le but de réussir sa mission, la caravane a fait appel à une équipe médicale composée de chirurgiens, de médecins anesthésistes, réanimateurs, des infirmiers anesthésistes, des infirmiers penseurs et des instrumentalistes.